croisons les doigts pour avoir la meilleure des météos, pour vous pouvoir vous présenter la série de la Patrouille de France 2019, qui sera en fonction de la météo, une série beau temps, une série intermédiaire ou une série mauvais temps. C'est un show aérien composé donc des 8 appareils de la Patrouille de France en l'air. C'est un show aérien synchronisé, divisé on peut dire en plusieurs parties. La première partie où vous verrez des avions évoluer très proches les uns des autres, et une deuxième partie qui sera plus dynamique avec des entités plus séparées. On a fait des meetings dans le Nord, on a fait Saint-Quentin, on a fait Merville l'an dernier, où on sent toujours cette grande ferveur pour l'armée de l'air, où l'aviation est très très populaire. Donc on vient ici avec le même entrain, on se dit bien qu'on va avoir un accueil encore une fois de plus fabuleux. Et on est aussi très content de pouvoir participer à un meeting qui est gratuit. Je pense que c'est quelque chose qui est important de pouvoir permettre au plus grand nombre de venir assister aux démonstrations, d'ouvrir un peu les jeunes sur de potentielles carrières aéronautiques et en particulier dans l'armée de l'air. Voilà, d'aller à la rencontre d'un public. On sait qu'il y a quelqu'un sur la main et qui est passionné par l'aviation. Donc on est particulièrement content d'être ici. Maintenant, je peux plus vous le cacher, donc il y aura la Patrouille de France. C'est un honneur pour nous, quoi. Donc effectivement, le meeting sur Bénifontaine, Lance Bénifontaine, la dernière édition, c'est 2015. Donc ça fait 2 ans, depuis juillet 2017, qu'on travaille sur ce meeting. Donc sacrifiant au détour un peu nos familles, un peu nos loisirs, en vue de préparer un événement de grande ampleur, qui, je le répète, sera gratuit. Au bénéfice des habitants du bassin minier en premier lieu, mais également des habitants des Hauts-de-France et puis d'autres départements et bien au-delà de la région de France.